Madame, Monsieur, bienvenue à la week, à la page de l'émission Écho des Arts. C'est un plaisir pour vous retrouver. Avec nous sur le plateau de la page aujourd'hui, un autre écrivain, auteur, 7 secrets pour passer de zéro à héros. Kenley Jean-Baptiste est notre invité aujourd'hui. Avant de découvrir l'ouvrage, nous allons découvrir avec Stéphane Dapoulard, l'auteur. Né le 27 novembre 1995 à Jean Rabel, dans le nord-ouest d'Haïti, Kenley Jean-Baptiste a bouclé ses études en philosophie, sciences politiques et juridiques au sein de l'Université d'État d'Haïti après un brillant passage au Collège Notre-Dame de Lourdes de Port-de-Paix. Il est l'une des fiertés de ce collège suite à son beau parcours académique et a même fait partie des lauréats au concours d'admission de l'IRA-UH, ce qui lui a valu dans sa ville de nombreuses marques de considération. James Kenley Jean-Baptiste, de son nom complet, est le premier jeune haïtien honoré par la Chambre de commerce caribéenne pour son sens de leadership et son engouement à promouvoir la culture entrepreneuriale. PDG de Haïti Réel, il se donne à la cause de la jeunesse de ce pays qui a du mal à focaliser ses regards sur un lendemain meilleur. Grâce à son travail qui commence à jouir d'un certain écho au-delà des frontières haïtiennes, Kenley Jean-Baptiste est devenu depuis le 1er mai 2019 en Haïti le principal représentant de l'International Model of Diplomat for the Integrated Development, IMDID, reconnu par les Nations Unies. Kenley, c'est un plaisir, frère, pour m'accueillir sur plateau à la page. Nous pourrons regarder ensemble avec vous, Koken Chen, ouvrage ça, en pile jeune, à parler de lui. C'est un plaisir, comment ça y est? Bonsoir, Jeff. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs de la télé Pacifique. Donc, je suis capable de dire son contentement, son plaisir pour que participer avec vous dans le boucle. Kenley, écrire en Haïti n'est pas chose facile. Ou d'accord ensemble avec moi? Je suis d'accord. En Haïti, le moment que nous vivons là, qui rôle un écrivain tadouéen? Je pense que tout d'abord, on monde qui a écrit, c'est un monde qui va en recul. Et un monde qui a écrit, c'est un monde qui est conscient. Donc, vous êtes capable de remarquer que le livre en 7 secrets pour passer de zéro à héros, révélation de cet entrepreneur à succès, il est venu en vertu d'un constat qui fait, côté qu'un pile jeune a demandé qui route pour nous prendre. Un pile jeune a demandé comment, si j'ai une potentialité, si j'ai une capacité, je suis capable de pas échouer. Parce que vous êtes capable de une capacité à tellement pas identifier capacité à, ou pas identifier potentialité à. Pour bien exploiter. OK? Donc, ou fait fiasco. Donc, c'est son constat si grand comme tel qui te permet à ce que nous pensions en livre comme ça. Donc, c'est juste pour dire qu'on écrivait son monde qui prend recul, OK? Et qui ouait ça que mon a ouait avec un autre œil, et soit qui ouait ça que mon n'a pas ouait. OK? Soit mon a ouait. Il pas dévoilé, il pas dévoilé, qui a retranscrit. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de l'inspiration. Car l'inspiration vient de loin. OK? Pour monde qui connaît bon Dieu, l'inspiration vient sortir dans bon Dieu. Mais pour monde qui va connaître bon Dieu, ça vient de loin. Donc ça vient de nulle part et ça permet à ce que en chaleur qui permet à ce que on partager ça qui en donne. En Haïti, il y a un gros problème. Que en pile nous qui intéressés avec la littérature, avec l'écriture, avec la lecture, nous avons un problème que nous n'avons pas lu ces derniers temps. Nous n'avons pas intéressé aux choses de l'esprit. Nous écrivons un temps qu'on a écrit, qui plus gros obstacle que ou attendre que ouvrage là pour le rencontrer ou atteindre public qu'on visait. Et bon, ma très en quelque sorte, véridique à sa et qui obstacle? Le premier obstacle, ce n'est pas tout simplement pas jouer un monde qui a lu, pas jouer un monde qui a acheté. Le monde qui a acheté, il n'a pas lu. Ça, c'est deux. Et justement, ça qui est arrivé que le monde a lu, mais il n'a pas saisi. Parce que, ou pas écrit pour écrire.
c'est un message qui passe, et s'il passe, il faut une action posée. OK? Et c'est dans le cadre ça, c'est dans le cadre pratique ça, c'est transformation de soi ça que nous avons prêché qui permet à ce que toute activité que nous réalisons à travers le livre ça, il aller tant vers le développement personnel, tant vers la motivation. Parce que justement, nous croyons que motivation à permettre à ce que justement ou briser chaîne ou ouvrir porte parce que ou capable de volonté mais la motivation c'est force ça qui va permettre que avec acharnement nécessaire ou arriver à bout téléspectateur yo cap garder nous là jeune qui connaît Kinley Jean-Baptiste ne serait-ce à travers différentes conférences que vous présentez pour vous, dans ce qui est pour vous avec le développement personnel ou en leadership. Puis, une inquiétude là, c'est l'environnement. L'environnement n'est pas propice aux affaires. À travers l'instabilité politique et toute l'autre sainte-cacité. Donc, dans le livre, ça, sept secrets pour passer de zéro à héros, ou aider jeunes ouais, un modèle d'entrepreneuriat à travers différents modèles que vous présentez. Donc, qui est un jeune qui a arrivé à faire vraiment monter une entreprise, lancer propre affaire par lui dans un environnement aussi difficile, socio, politique et économique? Je pense que c'est un qui est lié avec la responsabilité de l'État. Parce que nous croyons que et l'État a un rôle pour jouer dans la garantie de sécurité. Et si pas gagné sécurité, pas qu'a gagné investissement étranger, pas qu'a gagné investissement, même investissement à fonds perdu. Investissement à fonds perdu, c'est investissement dans investissement de soi. C'est investissement dans le monde. Okay? Comment on est capable de permettre à ce que vous-même jeune, vous investissez dans la tête ou dit que ça que vous pourrez investir dans la tête pour jouer en la demain meilleure. Ou après que gon constat si grand jeune yo a viré d'eau quitter ça jeune yo pa wè demain en Haïti. OK, donc IHSC Bailey 80% ressources humaines y a vivre l'autre bord de l'eau. OK, alors que justement nous gon pays c'est jeune qui pou fè, c'est jeune qui pou porter espoir. Maintenant environnement tellement propice dans le livre ça on parlait de environnement là-dedans côté que ou c'est résultat 5 moun qui entoure 6-5 moun qui entoure. Si bodé get ça répéter chaque jour après show quand même on a un résultat qui lié avec ça. Donc certainement nous gagner pour que nous ranger environnement nous pour que nous capable de faire impact chaque jour zanmi avec monde qui positif. On ta capable dit déblayer tout monde qui négatif beaucoup tôt. Là si on ta pas parce tu peux avoir la volonté. Tu peux avoir la volonté. Tu as la vision, tu as les idées nécessaires. Tu as la vision claire et précise. Maintenant puisque justement, ou un mauvais environnement, eh bien, ou tout piégé, oui. Quoi faire fiasco? D'ailleurs, c'est l'un premier secret. Il y en a sept secrets qui s'est tâché de bien vous connaître. D'ailleurs, vous dites, et m'a cité, l'une des premières étapes d'un entrepreneur qui veut réussir consiste à savoir qui il est. Hey, qui va écrire ça? Qui ça a besoin de comprendre? Exactement. L'on écrivain écrit ça, ça veut dire que, ou après que le livre, c'est 7 secrets pour passer de zéro à zéro, révélation de 7 entrepreneurs en succès. Ce n'est pas 7 couleurs, monde ou bien nationalité que nous vendons, c'est 7 valeurs. Tu comprends? Donc, l'on écrit ça, ça veut dire que ce n'est pas Jerry Tardieu que vous pouvez lier l'offre de livre. Ce n'est pas Clifford Barron, ce n'est pas Kennedy Baptiste que vous pouvez lier. Mais c'est en vertu de monde qui est là. Ou pour développer la potentialité qu'il a caillou. Tu vois? Donc, il y a une chose qui est essentielle, c'est permettre à ce qu'on connaisse qui point fort, qui point faible, qui potentialité qu'on gagne la caillou. Parce que justement, quand on a fait la mathématique, la fait la chimie, ou elle a fait la diplomatie, là, ou elle n'a pas connu rien dans la chimie, et puis c'est la médecine, là. Donc, tu vois? Donc justement tout un problème ça d'orientation. D'orientation, dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel. Personnel. Donc tu vois, donc un manque d'orientation, justement les jeunes y ont tant qu'on des bateaux sans gouvernail, OK? Mais tout simplement là, ils vivent,
y a pavané et sans direction. Mm-hmm. Et dans l'optique, ça, nous équilibrons pour capable stimuler que le monde qui a pris, les ouais têtes li avec des yeux rêveurs. Justement, et c'est le deuxième secret au palais de ça, il faut rêver un grand avenir. Mm-hmm. Rêver un grand avenir en Haïti, Kenley Jean-Baptiste. Mm-hmm. Aussi facile comme ça, nous capables de vendre nous ça, l'environnement que nous vivons là. Je pense qu'il y a une obligation que nous avons, c'est gagner espoir. Et il y a une chose qui est essentielle, côté gagner plus de problèmes, qu'on dit la solution. C'est-à-dire que oui, Haïti a un problème. Mais on ne comprend pas ça. Haïti a un problème, mm-hmm. mais il y a plus de solutions. Et là, Haïti a un problème, c'est là que je ne t'ai pas plus d'engagement. Le pays n'a pas qu'à perdre Kenley, pas qu'à perdre Jeff, pas qu'à perdre Nixon Artis, pas qu'à perdre Malfesta Goudet. C'est conscience ça, nous-mêmes, comme jeunes, nous devons prendre pour que justement nous soyons capables de stimuler, motiver tête nous, mm-hmm. chaque jour plus. OK? Donc, oui, la situation est grabataire. Oui, situation est pénible. Maintenant, il faut gagner espoir. Parce que l'espoir voit l'invisible, touche l'intangible et achève l'impossible. C'est joli. Et il faut rêver, il faut vivre l'instant présent. C'est mon secret. Vivre à fond. L'instant présent. Parce que, laisse-moi te dire, Jeff. Ou capable de voir que yon n'a pas qu'à gouverner, jeune. C'est la procrastination. La procrastination, il fait que. Se plaindre de tout. Ou même qui, non seulement ça, ou même qui t'a gagné pour réaliser rêve ou objectif ou jeudi ou fixer pour demain. Donc, c'est remettre à demain tout ce que tu as à faire aujourd'hui. OK? Donc, justement, l'instant présent, il faut qu'on joue. Il faut qu'on gagne un esprit d'abondance, il faut qu'on ait un esprit de gratitude. OK? Ça, c'est une clé qui permet à ce que vous vivez dans le bonheur. Le bonheur actuel est important. On dit que justement, vous êtes jeune. Vous n'avez pas projeté la vôtre tout simplement à 50 ans, 60 ans. OK? Par exemple, j'écris un livre, c'est sûr que vous passez de zéro à zéro, mais il y a des jeunes, il y a plus de jeunes qui apprécient ça. Mais il y a des jeunes qui disent, mon cher, livre, ça a son livre, vous avez écrit dans 60 ans. Oui, là. Vous comprenez? Alors que l'énergie en a moins, c'est qu'on y a. Je ne sais pas rien de 60 ans. Je prépare, je connais 60 ans. L'avenir aujourd'hui. Exactement. Mais c'est toute action à poser aujourd'hui. OK? Qui pour refléter l'avenir. Ouais. OK? Si justement vous voulez un avenir qui est assuré, posez action depuis aujourd'hui. Et il y en a pas pour combattre la procrastination. Toujours vivre comme ce dernier moment. Le meilleur lendemain. Pour une bonne décision pour arriver réaliser ce que vous voulez réaliser. Moi, j'ai un principe que dans tout espace que moi, j'aime toujours, peut-être c'est avec ça, nous allons mettre un bout de l'émission, je viens de dire, toujours répéter avec Junio, la discipline, c'est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. C'est un secret. C'est le cinquième secret. Ouais, discipline, soyez déterminé et discipliné. Discipline très importante. Il y a une activité que nous faisons pendant l'année là, c'est réussir 2021 et le reste de votre vie, les stratégies qu'il vous faut. Nous avons fait les 7 instances. Côté que, moi j'ai parlé de 4 lettres qui permettent à ce que vous réussissiez à A, B, C, D, aspiration, action, et ambition, bilan, créativité, D, A, c'est discipline. Discipline tellement important. Mettre à faire. Vous devez gagner même discipline dans manger. Ou comme leader ou entrepreneur, ou de gagner discipline dans le sexe, de gagner discipline dans l'entourage, ou de gagner discipline dans la réaction, ou de gagner discipline justement dans le monde que vous avez fréquenté, ou de gagner discipline dans la finance. C'est discipline financière, assez un gros danger. Donc, il y a des jeunes par exemple qui ont dépensé plus de 50 ans, mais oui. Alors que justement, si que vous n'avez pas de discipline financière, donc là, vraiment difficile justement pour que vous réalisez ce que vous voulez réaliser. Comme on ne pas dire que vous êtes jeune. C'est ce que Patrice Bayard a fait dans le livre « Après héritage de 100 000 $ ça ».
parti par mission, monsieur, une façon d'utiliser vous bien. Exactement, dans le livre, gon parti côté que Patrice Bayard qui est un auteur contributeur, il parlait que papa est mort et puis tu gagné environ 100 000 $ américains qui étaient pour 4 fois. Mais maman conditionné, il dit pas une pièce nèg qui prend la ça pour aller faire ça. Bon, ça veut dire que font nèg gon plan business. Gagner, justement, on rêve pour que vous capable de manger ça. Tu vois? Merci beaucoup, frère, pour le partage qu'on fait avec nous autour de livre. Ça, il est disponible. Il est disponible dans la maison Henri Deschamps, qui est sur l'aéroport. Et dans, j'imagine, Pétionville, Deschamps, 7 secrets pour passer de 0 à 0, révélation de cet entrepreneur à succès. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous accueillir sur le plateau à la page. Merci, Jeff René, Dominus Vobiscum. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi la rubrique à la page aujourd'hui avec Kenley Jean-Baptiste, un auteur qui croit et qui cite. On assiste souvent à la nonchalance de nombreux individus qui possèdent vraiment des visions claires. Pour cesser d'avoir ce comportement, lisez sept secrets pour passer de zéro à héros. Le plaisir a été pour moi, ce plaisir sera renouvelé bientôt avec une autre émission à la page, avec un autre écoute.